Coucou les petits poulets et bienvenue dans ce GOE2 event qui concerne la fin, tout simplement la fin du meta event de toute la carte, le repli du dragon. Hein, en fait, toute la carte, ce dénommement, le repli du dragon, est en soi une grande carte meta event. Donc, c'est à dire que c'est une carte qui est un ensemble en fait. Hein, c'est pas des petites caisses finalement à gauche, à droite et tout. Donc, tout ce que vous allez faire dans cette carte sert. Je crois qu'elle se recette toutes les 2 heures, un truc du style. Et donc toutes les 2 heures, il y a le gros meta event concernant la gueule de Mordremoth, qui est donc le gros dragon. Alors il faut savoir, mais ça ce sera dans une autre vidéo que je montrerai. Je montrerai les trois chemins, en fait, les trois chemins à faire pour y arriver, pour arriver chez Mordremoth. Mais donc en soi, on a besoin de l'énergie ligne de force. Ouais, voilà. Donc en soi, c'est pas compliqué. Avant de combattre Mordremoth, je vous expliquer, il faut réussir tous les events du nord, tous les events du milieu et tous les events du sud. C'est trois lignes. C'est trois lignes en fait sur lesquelles il faut progresser. C'est une sorte de grand champ de bataille sur lequel il faut progresser sur les trois lignes. Et si les événements des trois lignes ne sont pas réussis, il n'y aura pas Mordremoth. Hein. C'est une sorte de gros champ de bataille comme ça, avec des renforts à gauche, à droite, des mobs vétérans, élites, etc., etc. Et je vous présente Mordremoth par la même occasion. Bonjour Mordremoth, qui est donc le boss de cette carte en fait. Hein. C'est d'ailleurs normalement le boss de Heart of Thorn. En fait, je sais pas si dans la story comment ça se passe ou quoi que ce soit. Donc, alors, comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a plusieurs... alors moi, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que moi, je fais partie à chaque fois de l'équipe d'assaut de la gueule de Mordremoth même. Ah, ok, un fear. Je sais que je crois qu'il y a une team qui doit frapper le cul de Mordremoth ou la... Comment on appelle ça? Pas le cul, mais une de ses parties, comme vous voyez sur la carte. C'était, je crois, pour en fait, entre guillemets, l'ancrer. L'ancrer là où il est, pour pas qu'il bouge. Et donc une autre équipe qui frappe sa bouche, tout simplement. Alors moi je vais toujours faire partie de ceux qui frappent sa bouche, mais il y a plusieurs phases. Hein. Donc là je crois que c'est à nouveau ça, hein. Attaquer le corps du dragon tout en évitant ses attaques, ou attaquer la tête de Mordremoth en évitant ses attaques évidemment, ou détruire la cause de perturbation des lignes de force pour restaurer les lignes de force vers les autres îles. Hein. En fait, ça j'ai pas trop compris le principe des lignes de force, machin, etc, etc, etc. Hein, ça c'est pas vraiment trop mon délire, je m'en contrefous. C'est pas moi le commandant, c'est pas moi qui ai acheté un manuel de commandement pour faire genre kéké des plats. Et voilà, et je suis mort. Et ouais, parce qu'il tape des gros fires par contre. Il tape des putains de gros fires, donc je pense que je vais 2 secondes choisir un truc qui va me permettre de me déstun. Qu'est-ce qui permet de dissiper étourdissement encore, parce que j'utilise très rarement. Dissipe étourdissement, y'a pas ça quelque part, résistance. Hein, votre famille, vous ne subissez aucun des âmes, mais vous êtes toujours sensible aux altérations, aux effets de contrôle, ou... Je vois pas. Donc, tant pis. Bon, sur ce... Hein, oui, ok, les courants... Je crois que les courants de... Le truc change, en fait, à chaque fois. Ouais, c'est très très relou, hein, je vous préviens tout de suite. Mais bon, ce qui va, les récompenses sont pas mal sur la fin, donc voilà. Hop, on trace. Alors où est-ce qu'il se trouve, imbécile? Détruire toujours les lignes de force, hein, on s'en fout. La gueule de Mordremoth va détruire la plateforme. Ah oui, parce que oui. Mais vous dire, il peut détruire. Mordremoth peut gagner le combat contre les joueurs, hein, si c'est pas fait de la bonne manière. Alors, comme ça vous dit, c'est pas mon problème. Alors on peut récupérer les mortiers instables pour l'hélico abattu, ils sont utilisés pour pilonner la gueule de Mordremoth. Oui. Oula. Ah non, je veux pas tomber. Non. Ah ouais, ça va. Je croyais que j'allais crever, putain. Allez, hop, tous sur la gueule de Mordremoth. Qui est le dragon de la jungle, hein, si vous posez des questions. C'est le petit nom tout doux du dragon de la jungle. Tout mignon. Voilà, donc là, en fait, oui, on le frappe. Hein. Bon, c'est parce que, voilà, il y a une certaine forme de mesure. C'est beau. Non mais en fait je crois que si j'ai bien compris, il y a des... On peut le pilonner en fait, il y a une partie des joueurs qui frappe sa gueule pour le frapper et une autre partie qui le pilonne tout simplement pour l'empêcher de faire des douilles et de péter les plateformes, je crois, au fur et à mesure du combat. C'est ça le délire, ça vient de là, je pense. Oh, les dégâts qu'on fait, insane monsieur, insane. On a du 25 stack de pouvoir, madame, monsieur, complètement, du 25 stack, merde. Tout le monde qui utilise son parachute au dernier moment, quoi.
Ok, non, ça passe, ça va, ça va, ça va, on est vivant, on est vivant, on est vivant, ça passe. On est bien, on est bien, on est bien. Oh le stress. Oh le stress que j'ai eu. Je me dis putain, je vais encore crever, je vais encore me retaper tout le chemin jusqu'à Mordremoth. Allez, gagnant, Meta Event, merci pour la récompense, merci pour toute la récompense de Meta Event, tout ça, tout ça. Alors, on peut aussi essayer de frapper son cul, si j'ai bien compris. Il est vulnérable, oui, on peut aussi. Ah ouais, voilà, on peut frapper son derche. Par contre, il invoque des bombardiers Mordrem, hein, ouais, par la simple force de son. De l'apparition de son cul, c'est incroyable. Ouais, ça c'est pas un dragon. Par contre, comme vous voyez bien, c'est pas un dragon de mes couilles, hein, il est immense, hein. Il est franchement. Franchement immense, quoi. Donc là, il a l'air de se barrer. Ah ouais, oh regardez-moi ça, comment il est grand! Mon dieu, mais c'est un putain de serpent, mesdames et messieurs! Un putain de gros serpent! Ouais, on a toujours 2-3 commandants là dans le coin, mais ce qu'ils font honnêtement, je sais pas. Alors maintenant, c'est détruire les lianes, parce que sinon, mes couilles, hein. C'est ça, hein. C'est parce que j'ai une tâche sur mon PC, donc il y a des trucs que je vois pas. Ouais, ok, faut détruire les lianes qui a fait apparaître Mordremoth, sinon ils détruisent des bouts d'îles en fait. Et comme je pense que vous avez compris, la seule manière de combattre Mordremoth, c'est sur les îles. Si Mordremoth arrive à péter toutes les îles, eh ben c'est niqué. C'est baisé, dans ce cas, vous perdez des surfaces de combat quoi. Et comme vous voyez, il essaie des fois de bouffer les îles, etc. Donc c'est ça le but en fait, c'est le tuer avant que lui ne vous donne ne pas ne vous tue mais vous donne l'impossibilité de le tuer. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça le délire. Alors, partons toujours esquiver hein, parce que monsieur invoque ses vivres à gauche à droite sur la map. C'est pas simple. En plus je vois que le feu que provoque ses vivres reste longtemps et putain il fait mal. Tous les commandants Mordrem dans les anneaux du dragon. Ah oui, oh merde, complètement oublié, fais chier. Alors, les maîtres, faut savoir que Mordremoth a trois gros commandants. Et ces trois gros commandants, vous allez les comprendre sur le reste du Meta Event, ou même sur tout Magumak, donc qui est la région contrôlée entre guillemets par Mordremoth, etc. En tout cas, là où il amène son influence, il y a trois commandants. 3 maîtres, un maître du bâton, un maître de la hache et un maître de mes couilles. Non, un maître épéiste. Et ces trois commandants, vous allez les haïr. Vous allez les haïr parce qu'ils viennent toujours vous emmerder. Bon, par contre, ça fait du loot, hein, ça fait du loot de les tuer. Mais vous allez les haïr parce que ils seront tout le temps là. Ils seront tout le temps là, en tout cas dans la map du Repu du Dragon, ils seront tout le temps là quoi. Ils vont à chaque fois ils réapparaissent sur le chemin et empêchent vous allez d'avancer, etc. etc. Comme je vous dis, c'est 3 lignes d'assaut qu'il faut faire avancer quoi. Et le problème vient là, c'est qu'à chaque fois, chaque maître revient sur sa lane une fois de temps en temps pour venir te casser les couilles. Donc tu es le maître du bâton contre l'affrontement de. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. En même temps, je me suis fait un petit succès par la même occasion. Un petit succès des familles. Merci, madame, monsieur. Ça fait toujours très très plaisir. Un hein, petit succès. Petit point de succès comme ça. On a combien d'ailleurs maintenant? Je sais plus. 9022, ouais, quand même. Quand même. Bon, c'est pas grand par contre. Alors, on va continuer à frapper. Non, moi j'ai pas envie de frapper son derche. Moi je veux sa tête. Je veux sa tête. Ou bien, des fois, faire l'inverse. On va peut-être aller attaquer le récupérateur des lignes de force. Non, on veut la gueule de Mordremoth. On veut la tronche, c'est peut-être déjà un peu loin moi en fait pour venir pour être efficace sur la tête. Normalement je ferais peut-être bien attaquer ce qui est vraiment proche de moi plutôt, donc j'aurais peut-être attaquer le corps. Mais bon, c'est une vidéo aussi, hein. Faut du spectacle bien vu. Il faut que vous voyez les choses qui sont intéressantes. Hein, voilà. Elle n'a pas toujours envie de me voir frapper une tête. Bah ouais, mais il se casse. Hein. Il se casse. Ah bah ouhouhouhou pour la vivre. Bah ouais, c'est Liane déchiquette les îles, machin, ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y a entre guillemets sur chaque plateforme il y a un commandant PNJ. C'est ce qui me donne l'impression. Et que ce commandant PNJ s'il meurt, vous perdez l'île aussi. Et
en soi, comme il y a souvent des mobs qui arrivent, mobs vétérans, etc., il faut en même temps essayer de protéger les commandants de chaque île et en même temps essayer de protéger les îles, quoi. Si j'ai bien compris. Autrement dit, il faut être blindé hein, pour réussir ce meta event, les gars. Hein. Pensez pas y arriver à 5-6 comme ça en mode ouais, ça va être tout simple, vous allez voir, GG sa mère. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Faut pas être une guilde de 10, quoi. Et encore, à mon avis, une guilde de 10, ça peut. Peut-être si elle est méga bien organisée. Je pense pas. Je pense pas d'ailleurs, je commence à avoir marre d'avoir des. J'allais dire des ailes d'Ara comme ça, d'à côté pour un chasseur. Ah ouais, merde! Ouais, petite attaque de vouivre sur la gueule. Bon, alors par contre, je suis en zerk, hein, donc c'est évident. Je fais beaucoup de dégâts, mais j'ai pas beaucoup de points de vie. Ni de résistance. C'est normal que je me fasse un peu ramasser la poire, mais. À ce point-là, il y a abus, hein, monsieur. Il y a abus, il y a abus, il y a abus policier. Et. J'ai que d'endurance, ça va pas passer. Ça ne va clairement pas passer. Peut-être si j'arrête ici. Oh là là. Ah, oh mais mon dieu. Mon dieu, le combat se fait sans moi. Allez hop. Trace, trace, trace. Allez mon poulet, tu vas arriver. Tu vas arriver, cote, cote. Cote, cote, cote. Ok, c'est bon. Ah, trop bas. Ah, il s'est déjà barré. Ah, je suis trop tard à chaque fois. Oui, si vous me dites, ouais, mais Nécro, t'es censé avoir l'énergie des lignes de force, tu l'es. Pas l'énergie des lignes de force, mais t'es censé avoir la dernière maîtrise du. Delta plane, ça, du Delta plane pour pouvoir passer très vite d'un endroit à l'autre. Je vous emmerde, je l'ai pas. Je l'ai pas, moi je fais des vidéos, alors je connais même pas encore le Meta Event par cœur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mesdames et messieurs? Et hop, on remonte. Mmh. Vous savez quoi, moi je reste dans les courants d'air maintenant. Ouais, ouais, voilà, moi je me sens bien dedans. J'attends surtout de voir. Ah, voilà. Voilà, il arrive ici. Salut. Allez, la gueule de Mandremot. Où est-ce que tu vas, pop, ma vieille? Ah, oh putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce plan séquence, trop beau. Ouais, c'est bon, je l'ai pris en screen. Je l'ai pris en screenshot. Ah. Bonjour. Bonjour. J'adore comment il arrive. Nap. Trop beau ce dragon, j'adore. On dirait limite un... Je suis désolé, mais on dirait un peu un dragon chinois, quoi. On dirait un dragon chinois, c'est vraiment beau, quoi. C'est beau, c'est un beau dragon, ça. C'est pas de la merde. Parce qu'à mon avis, il faudrait que je le montre à mademoiselle parce qu'elle adore tout ce qui est Asie, etc. Et ça, c'est vraiment la représentation d'un dragon chinois, quoi. On peut pas faire plus chinois. On peut pas faire plus chinois comme dragon. On peut pas faire plus chinois comme dragon. Alors, regardez. Oh, il a ses narines. Il a des petites narines au-dessus de ses yeux. Qui lance de la morphe comme ça. Trop beau. Donc là, visiblement, il est pas content. Monsieur n'a plus de points de vie mais est considéré comme invincible, donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Il a croqué à bout de mon nid. Oh là 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 là. Il va crever normalement, il a plus de points de vie. Mesdames et messieurs, il a plus de points de vie. Par contre putain c'est vrai que. Oh. Ah. Oh. Pauvre dragon. Pauvre dragonnet. Ne laissez pas la créature s'échapper! Vite, sur l'arbre! Et tout ça se passe évidemment hors champ. Qu'est-ce qu'il fait, dragon là? Ouais. C'est fini! On l'a eu! Vous l'avez eu, ça dit, hein. Ah! Il s'est coincé tout seul, il en est mort! Ah bah bravo! Bravo! Non, mais à mon avis, c'est juste. C'est pas Mordremot même, c'est la gueule de Mordremot. Donc je pense que. Enfin, j'ai comme l'impression, la petite impression entre guillemets, mes petits poulets, mais vraiment entre guillemets, que. Tout simplement, le mob en soi. Il y a celui de. Il y a Mordremot du meta-event, de la map, et Mordremot dans l'histoire du jeu même. Comme tu dirais, Zaitan. Tu me dirais Tekalt par exemple, Tekwatl ou quoi que ce soit, et Zaitan.
qui sont pas les mêmes, qui font partie du même ordre de dragons entre guillemets, mais qui sont pas les mêmes quoi. Ouais, oh là là, il y a tous les gens qui ont leur leur putain de griffon de mes couilles. Et nous on est là, comme des pauvres laits. On n'a pas de flouze, on n'a pas de thunes. On fait comme on peut, vous voyez. Hein? Ah non! 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 Ok. Putain, je vais encore crever comme une douille ici. Ça va avoir l'air zizi. Ouais. Si je vais ici, je pense. Ok. Trace. Allez, trace mon move. Trace. En attendant, on va récupérer en même temps ce qu'il faut. Récompense, bah oui, participation 200% à la gueule de Mortalmot. Nickel. Voilà, on prend un élan de dingue. Et on va maintenant aller récupérer nos loot, mes petits pilous, nos loot. Ah, en même temps, vous verrez des tas de mobs, Vincer, Fierécu, etc. Box. Des tas de mobs que vous avez rencontrés déjà en vous baladant, normalement. Des tas de PNJ. Alors. Nous disions donc. Le coffre du dragon de Mordremoth. Qui nous a donné aussi un repérant coffre au choix du héros ou un diamant noir. Ce diamant noir, c'est, ça se vend pas mal quand même, hein, mais une caisse de commando du pacte, on récupère ça plutôt, c'est toujours bien utile. Voilà, comme ça on est tas de machettes. Voilà, on se met bien. Allez, un très grand merci à vous. Ouais, c'est ça, un très grand merci à vous. A plus les pilous, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.